Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfunk pour un nouvel épisode de Fallout 4. Dans cet épisode incroyable, parce que incroyable cet épisode, nous allons mettre les lunettes de Capi. Ouais, c'est la quête, faut mettre les lunettes. Voilà, un Capi dans une botte de foin. Donc les lunettes de Capi, oh, ça sent le swag. Ça sent le swag immédiat. Bon. Ok, on va faire tous les tours de tous les parcs, de toutes les raisons qu'on est. Ok. Est-ce que je tente une tentative de suicide? C'est parti! Ça s'est très bien passé. C'est tellement bien d'être une caisse à PV. Ça s'est super bien passé. J'aurais bien recommencé. On va se mettre en troisième personne, voilà. Cool! Oh, ce petit pont de bois, hein, quand même. Hein. Petit pont de bois. Tentative de civilisation désespérée, hein, visiblement. Fleur. Je prends la petite fleur. Touk 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 touk. Alors j'espère que la capture ne rame pas. J'ai refait des petits réglages, mais bon, malheureusement, mise à jour Nvidia, hein, donc c'est la merde. Le problème de Nvidia, c'est qu'il fait des mises à jour sur mon PC. C'est un petit souci ça chez Nvidia. Hein. S'il te colle des mises à jour que ton PC ne peut plus supporter pour des jeux que de toute façon il ne peut pas optimiser. Vu mon PC, donc ouais, c'est. Après, j'y connais peut-être rien, mais. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Cette roquette à gauche me dit rien. Attendez, je vais voir là vite fait. Je te connais, toi? On se connaît, mec? Eh, ma gueule, on se connaît? Ouais, alors, visiblement, oui. Ah! Des grillons! Pas un plus près là en 95%, voilà, très bien. Parfait. Parfait. Voilà, j'ai le fusil un peu le moins précis du monde quand même. Hein. Paf paf paf, enfin le moins précis. À courte portée, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait, c'est pas bien fait, mais bon, c'est pas grave. On dirait que c'est bien fait. Cool. Bon, on aura chopé de la viande de grillon déjà. Un épisode riche en protéines, croyez-moi bien. Wouh! À défaut d'être riche en contenu. Moi, je vois une herbe qui brille, je vais la chercher. Hein. Je suis un mec comme ça. C'est un nonage qui dort. Non. Faux. Oh, c'est trop mignon les nonoches. J'ai pas envie de tuer un nonoche. En plus, en vrai, celui-là était plutôt beau. Était plutôt beau. Il était pas trop dégueulasse hein, par rapport à leur. Alors, confrère, par contre, le sol tremble. Hein, donc, soit on a un colosse de type colossal, soit on a un écorcheur dans le coin. Au choix. Un behemoth. 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 Un bébé motte. Ok, bon bah go. Bah du coup, ouais, on arrive sur quel là? C'est machin gulch. Ah mais tout est indiqué sur ma map. Ah mais tout est indiqué sur ma map. Mais quel est donc ce casual game auquel je joue? Ah oui, est-ce que ça remplit les poubelles? Non, ah la tristesse. Parce que du coup, ça me... J'ai pas envie de jouer à leur jeu nul là pour gagner mes morceaux de pièces d'armure assistée là. Ah! Ça, ça a repoussé. C'est bien. Bonne chose. Rien, hein. Pas de ticket quand même. Ah. Ok, cool. Petite musique d'ambiance. C'est parti. C'est parti. Non mais attends, il y avait un truc à 40 et quelques mètres, puis en fait ça a changé. C'était plus à 40 et quelques mètres. Qu'est-ce que... Ok, carte. Train de la mine. Visiblement déjà, il y a un truc dans le train de la mine. Ok. Wow, wow. Tu m'as popé un peu tard, shérif. D'ailleurs, faudrait que je te bute, shérif, pour récupérer le peu qu'il y a récupéré sur toi. Non, ça, ça n'a pas été régène. J'ai l'impression que le parc n'est pas régène du tout.
Ah ouais, c'était oh, c'était le fameux cow-boy avec le rouleau pâtisserie. Un épisode incroyable, hein. Moi je pense, hein. Concrètement. Pourquoi elle me dit à 60 mètres là, il y a un truc? Parce qu'il y a un truc à 60 mètres que j'ai pas vu. Ça ressemblait à quoi un cheval en fait? C'était une espèce de... Votre attention s'il vous plaît. En cas d'urgence, de l'antivenin est disponible à la sortie de la ville. Il faut que je le trouve tout de même avec mes yeux et tout là. Alors je sais même pas ce que je cherche, alors je vais pas être aidé. Au secours. Est-ce que je peux valider? Ah bah non, j'ai déjà eu... on s'éclate, hein. Mec, franchement, un driver gulch, on se dilate la rate, hein. On s'éclate un gésier. Je sais même pas ce que je cherche. Je vous jure, par contre, je le cherche, hein. Mais je ne sais pas ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Zabin m'a demandé de l'aider à trouver 10 images de capis dissimulées dans le parc. Sur chacune d'entre elles, il y a une partie d'un code dont elle a besoin pour ouvrir le bureau de John Caleb Bradburton, l'inventeur du Nuka-Cola. Je dois porter les lunettes de capi que Sierra m'a donné pour voir les codes capi cachés. C'est-à-dire que je peux les voir sans les lunettes, des images, mais qu'il me les faut pour voir les codes. Ou alors, genre, ça accroché à un mur. C'est genre une tierce image. Vous savez quoi, on va aller directement dans le train de la mine, comme ça je pense que ce sera, vu que c'est plus couloir, j'aurai plus une idée de à quoi ça ressemble une fois que je le croiserai. On prend la file d'attente, on est quelqu'un de très bien éduqué. On péta une pelle qu'on n'avait pas péta parce que on était trop lourd. Et maintenant on est léger. Et on peut voler une pelle pour aller vendre, pour gagner 2 balles. Oui, je vais vraiment te faire chier avec 2 dollars. Oui, oui, je suis un thug. Thug. Y'a pas de problème. Bon, j'espère que ça n'en ramènera pas de votre côté, hein. Poète. Ah oui, alors ouais, on est parti pour faire tout le tour. Ah, c'est le truc avec les verres. Oh, c'est chiant. Attends, on va tout de suite regarder la fin. Ah, si on le faisait à l'envers. Alors, c'est gros style de faire ça à l'envers. Hein? Ah non, c'était une défense à la noix. Ah, la con. Hein? Hop là, tiens, 2 balles de plus. Oh, je suis un monstre. On a déjà gagné 4 dollars là. Je suis un thug. Je check, hein. Je check. Je check. Je vois rien. J'ai bien les lunettes, hein. Non, ouais, j'ai bien les... ouais, c'était là. Attends, lunettes de... Oui, c'est bon. J'ai bien les lunettes du swag infini. Swag infini. L'unlimited swag. Carte, je trouve un peu jeu. C'est un tierce type défoncé. La fosse. On va quand même la checker, hein. On va tout check. Le problème c'est que je check un truc mais je sais pas à quoi ça ressemble. Des balles de 44. J'avais oublié des balles de 44. Je suis un fou, moi. Moi qui aime tant le 44. Ouais, c'est un bovin éclaté. Ah, les cadavres, ils ont dépop les cadavres. Très bien. Fort intéressant s'il en est. Pardon, jeune homme. Ah, c'est ça? En voilà un. Ah, d'accord, donc c'est des capis dessinés sur les murs. Et si j'enlève les lunettes, juste pour voir, justement. Ah, d'accord, ils apparaissent, mais ok. Ok, d'accord, non, ils disparaissent, d'accord. Ok, maintenant c'est bon, je vois à quoi ça ressemble. Donc j'ai une lettre. Je pourrais faire demi-tour pour voir, mais bon, on va continuer vite fait, voir si on en voit d'autres. Le niveau n'est normalement pas très long. Bouteille de lait, wesh. Le petit temps de sommeil parce que j'ai perdu des points de vie, voilà. C'est vraiment pour le style, je vous cache pas que c'était vraiment... c'est vraiment par principe. Y'a rien de tagué là. Bon, après, je pense que ça va être sur des surfaces planes et relativement régulières.
un que j'ai pas buté. Oh mais dis donc, eh. C'est rigolo ça. Oh dis donc, j'avais pas fouillé ça, eh. Oh dis donc, c'est rigolo ça. Hein? Ça j'en ai tellement vu que je devais en être saoulé. Donc mur régulier, y'a pas. Paf. Voilà. Bon, je pense que du coup ils sont placés de manière relativement évidente, mais dans le doute on fait le fouineur. Hein. Dans le doute on fouine, on vérifie qu'on n'ait pas oublié un truc dans une boîte à outils. Ce sera un peu triste. Au moins maintenant je sais ce que je cherche. Tiens, regarde, hop, j'avais oublié un extincteur. Je mettais un extincteur. Alors ça va être gerbatif à l'infini, hein. J'espère que vous êtes chaud. Vous allez vomir partout. Blablabla. Ok, I know. Ouais, normalement j'ai rien vu, j'ai pas vu de capsule peinte sur le mur. J'ai d'ailleurs peut-être validé cet endroit en fait, hein. J'ai juste pas fait carte. Bah carte en fait oui, j'ai validé l'endroit, ok, il y en avait une seule dans cet endroit. Ok, on y va. D'accord. Donc maintenant dans la rue centrale, je sais ce que je cherche. C'est beau. C'est beau, ça me fait plaisir. Ouh. Ah, les temps de chargement dans les Elder Scrolls, c'est quand même quelque chose. Alors oui, vous me voyez pas jouer à Fallout 76. Parce qu'il faudrait en parler aussi de ce Fallout 76. Je pense qu'il faudrait presque faire un épisode Fallout 76 pendant qu'on se fait les trucs de Cap. C'est en train de me dire qu'il y a un truc que j'ai pas découvert genre par là. Je vous jure, sur ma map, regardez. Il y a genre un truc que j'ai pas découvert. Non mais lol. Il y va tout de suite, hein. Ah merci monsieur, vous êtes bien aimable. Qu'est-ce que j'ai pas découvert là? C'est derrière les murs. Ce que j'ai pas découvert est derrière. Mec, t'as tellement des pops, c'était incroyable. Jeu stable, hein. Extrêmement stable. On est sur un jeu de qualité Bethesdien. Oula. Je suis un thug. Il y a un espèce de truc, je sais pas si c'est caché volontairement ou quoi là, mais c'est quoi cette espèce de bâti chelou que je peux pas, que j'ai pas découvert, que je ne pourrais, que je ne sais voir. Ok, c'est officiellement derrière ces murs. Mais de l'autre côté, il y a que dalle. Ouais, je veux bien, mais les mecs, il y a que cheat de l'autre côté. Hein. Par contre, maintenant, il faut que je ressorte de mes conneries. Voilà, parfait. J'ai dit parfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je dis parfait, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte. Sinon, ça marche pas. Alors, en vue troisième personne, des fois, ça marche mieux. Tous ces jeux qui font que t'as pas le même comportement en première personne qu'en... Ok. Génial. C'est bon, je suis pas coincé. Nice. C'est bon, je suis pas coincé. Très étrange. Étrange bâtiment marqué de l'autre côté, mais non accessible. Attendez, c'est une énigme. C'est une énigme que je veux résoudre. J'ai beaucoup de lumière même quand j'ai ramassé les fleurs. Hein. Là, officiellement et légalement. Officiellement et légalement, il y a un bâtiment genre là. Genre ici, là. Si je colle mon nez là. Il y a un bâtiment ici. De l'autre côté peut-être. S'il y a un truc, on va le trouver. Hein.
Il y a sûrement un terminal quelque part. Et pourquoi il y avait erreur du terminal? Ils ont une pénurie d'énergie. Ah, faut que je réactive okay, le central. Ok, donc je me disais bien, putain, j'ai raté un truc dans une de mes vidéos, je me déteste. Si c'est vraiment arrivé. Heureusement, non. Tout va bien. Les seules choses que j'ai ratées... D'ailleurs, je vous mets un peu de lumière parce que sinon on voit que dalle. Sinon vous voyez pas grand chose quoi. J'avais peur vraiment d'avoir raté quelque chose à se mettre sous la dent. Mais non, tout va bien. Nous avons sauvé les murs. Alors, on sait en gros que dans cette rue principale, il y a un marquage de Capi. Il y a un Capi. Capici. Ouais, tu me dis, mec. Un marquage, des textures qui sont toutes barrées en vacances, bien sûr. Et qui n'ont pas donné d'adresse de référence. Chapeau de cowboy et des putes. J'adore cet endroit. Ah, je savais que ça vous plairait. J'en étais convaincu, monsieur. Ça me fait autant plaisir qu'à vous, sachez-le, monsieur. Moi, je miserais bien sur le saloon. Ça pourrait être utile, toutes ces cages. Venez être témoin de la majesté des mœurs de la cour du roi Cola. Des tickets pour tous les spectacles sont disponibles au guichet du Royaume des Petits. Petit tatouage, mural... Un petit marquage, mes poulets. Sinon, cette vidéo va être incroyablement longue. Oh, si seulement j'étais un super youtubeur et que je faisais genre des montages. Oh, oh, des montages, quoi. Le temps que vous gagneriez, ce serait tellement ouf. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec ce temps. Vous pourriez, genre, aller vous chercher un travail en traversant la rue, quoi. Genre. Ce que vous ne ferez pas, bien sûr. Parce que traverser la rue, de nos jours, c'est dangereux. Évidemment. Ce qu'il dit pas notre super président. Enfin, notre saint empereur, Macronus Prime. Ah, j'ai deux caps. On trouve des trucs, hein. On trouve toujours un truc ou deux à se mettre sous la dent. C'est ça qui est bien. Des fois, d'ailleurs, je me déteste quand je regarde mes vidéos. Je me dis, mec, j'ai passé à côté d'un truc. Alors, en même temps, je suis en train de chercher là. Comme si forcément ça devait être en centre-ville. Puisque le marqueur est en centre-ville. Alors que ça se trouve qu'il est dans les rues d'à côté. Qu'en fait, c'est juste pour me dire, mec, il y en a un dans le parc. Chers parents. Si vous cherchez une façon rafraîchissante de tenir le coup toute la journée, essayez le Nuka Cola Dark. Le même goût délicieux de cola avec un zeste d'amour. Avec un zeste de picolinade. Je suis en train de me dire que ça pourrait tout à fait se retrouver là-haut en fait. Et ça, c'est zéro accessible en fait. Non, c'est. Y a même pas de console de commande, y'a rien. On peut même pas, genre, accéder quoi. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est une fausse attraction. Mais y'a vraiment quelque chose là-haut. Ça, ça me rend fou. Ça, ça me perturbe. Hein. Je vous préviens, c'est vraiment le genre de truc, ça me rend dingue. Ouais, bah checkons tout ça, hein. Cimetière, voilà, un petit mur plat dans le cimetière avec rien dessus. Ah, c'est une souche. J'allais dire, ils ont dépop tous les cadavres sur celui-là. Pas de bol. Ça, c'est les cadavres des commerçants de base. Oh, le Udada. Là, j'ai trouvé le dernier Udada. Vous savez ce que vous faites. Et Udada dont on n'avait rien à foutre d'ailleurs. Bah, je l'ai trouvé. Je crois qu'en plus je vous ai jamais fait cette quête intégralement. Mais bon, normalement ça y est, maintenant les Udada on les a tous. C'est incroyable, ce let's play complètement décousu, ça n'a pas de sens. Pas sur ce mur. Là on a un Capi tout court. Là on a un Nuka Cola Wild. C'est pour Ubiche. On sent que j'avais eu un crash de vidéo et que j'étais passé beaucoup plus vite ici. Est-ce que j'ai vu
un miss enregistrement et j'avais dû vous refaire partie du truc. Ah oui, il y avait une recette là-dedans. Un rappel, je suis un génie. Toujours vérifier les selles des gens. Ouais, c'est passionnant, hein. Moi, ouais, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien le trouver, ce dernier Capito, Pepito, Capichef. Hop là, il y a personne là. Il faut que j'aille voir dans les petites salles quand même à l'intérieur. Il n'y a rien. Un peu de jour nous aiderait quand même un peu. Hein. On va pas se mentir, un petit peu de jour nous ferait pas de mal. Tout a été fouillé, c'est parfait. Faut faire l'arrière, mais l'arrière de toute façon on l'a fait. Je suis bête. On l'a fait. Intérieur. Y'a rien ici. Et ben je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ah, ce qui est c'est vraiment un chien. Voilà. Hein. C'est vraiment relou. C'est vraiment relou parce que si je vous le trouve pas, le truc c'est. Joli crâne. Si je vous le trouve pas. Faudrait que je fasse des vidéos presque décousues avec des montages à la con. C'est trop le swag. Où est-ce que j'ai pas vu? J'ai les regards durs partout. Je fais un tour grossier hein, au cas où, à force de coller mon nez sur les murs, je l'aurais pas vu. Parce que pareil, je cherche sur les murs à ma hauteur, mais c'est peut-être plus haut. En cas de perte de vos lunettes capi cachées. D'autres paires peuvent être achetées dans n'importe quel stand. Vous avez intérêt à mériter votre place ici. Ou on vous y remettra vite fait. Mettez-vous ça dans le crâne, chef. Alors, excusez-moi, je fais une petite sauvegarde rapide et j'apprends vite fait à cet homme à respecter mon autorité. Voilà. Et la prochaine fois, tu respecteras mon autorité, sac à merde. Hein qu'est-ce qu'on disait? Ouais, on cherchait un capi. Je sais pas si j'ai regardé spécifiquement à ton entrée à toi aussi, bonhomme. Et c'est pour ce genre d'événement très chiant que j'aimerais bien être en live. Parce que je me dis, si l'un d'entre vous en fait a déjà la réponse, il a déjà trouvé, il pourrait me la donner, tu vois. Et on perdrait pas de temps. Perdrait pas 1000 ans sur cette recherche à la con. Votre attention s'il vous plaît. En cas de perte, une aide capi cachée, d'autres paires peuvent être achetées dans n'importe quel stand de souvenirs. Trop facile. Ouais. Et ben je le trouve pas. Je le trouve pas, ça fera partie des choses qu'il faudra que je trouve en off. On dit que je ferai ça en off. En ce qui nous concerne, on va enchaîner sur le parc d'à côté. Le parc d'à côté, c'est celui-là. Ou c'est le central, lui. De toute façon, il y en a partout à trouver. Tuk, 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 tuk. Ouais, non, c'est le safari. Ah bah tiens, on est toujours chez les mêmes. Les disciples veulent pas montrer leur gueule? Nous, on n'a rien à cacher. On est les meilleurs. Ouais, mais vous avez une sale gueule. Ou Merde. Oh, ça grogne en plus. Oh, c'est rigolo. Paf. Réservé. Ah, mais je me suis mis dans un truc encore. Ouais. Il
mais vous pouvez le refermer. Réservé aux employés uniquement. Oula, 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 je lui demande de charger trop de trucs, il en peut plus, là, ça y est. C'est la PLS cosmique. Phénoménal. Phénoménal. Ça aurait été chelou de les mettre dans des enclos. On va pas se mentir. Pour le public, c'est un peu dangereux. En même temps, comme on l'a vu, ça, c'est pas gênant parce que ça peut être à distance. On l'a vu dans la mine. Ça peut ne pas être à côté en fait. Rien ici. Je vais juste foutre des buissons pour foutre des buissons quoi. C'est juste mettre des chiottes pour mettre des chiottes quoi. Je suis venu moi ici. Visiblement oui. Bon ça sera pas tagué là-dessus hein. Donc blablabla. Vous avez aimé ce mouvement de caméra? Vous avez bien pété les yeux? C'est mon cadeau. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais non mais il y aura rien ici aussi. Allons-nous-en. Dans un petit stand ce serait pas déconnant. Petite brochure du parc. Ah les petites brochures du parc. On va bien prendre les brochures du parc. Moi je les collectionne. J'aime bien. J'aime bien collectionner des trucs qui servent à rien. Bon les trucs qui servent à quelque chose. Évident quoi. Évident que forcément tu les collectionnes. Petit éléphant peint. Ça n'a pas duré longtemps, j'espère que vous avez bien profité. Pouf. Oh, ça y est, parti en mode paysan Minecraft, ça tourne mal. Suite à la forte demande, nous avons ajouté une deuxième représentation du couronnement de la reine Quantum. Consultez la brochure du parc pour plus de détails. Trop rigolo. Mais c'est trop rigolo. Désolé, c'était trop rigolo. En fait, chers parents, ils ont un peu si vous cherchez une façon rafraîchissante de tenir c'est rigolo. Toute la journée, essayez le Coca-Cola Dark. Vous avez pas un même délicieux de cola avec un zeste d'alcool. C'est moi le patron, t'as pas intérêt à l'oublier. On n'est jamais mieux servi que par ça. Ah non mais attends. Ah oui parce qu'il va falloir que je descende l'autre connard qui est avec moi du coup. Ah ouais non mais ouais non mais. Ouais non mais non. Ouais mais c'est chiant en fait. Tu te bats contre moi l'autre naze ou pas? Parce que si c'est non, moi ça me va. Hein. Calme-toi le légendaire doré là. Putain il a la grosse gatling laser, ça vaut le coup. Hop là. Ah deux zouké là. Mais porteur, non mais ah, ça c'est chiant. C'est chiant, mais l'autre il m'avait manqué de respect, mec. Arrête de me tirer dessus. Précisément. Merci à tous. Mais Martoni, il m'avait tiré dessus. Faut les cramer. Mais il m'avait tiré dessus. Oh, sois pas chiant. Ah, mais non, mais merde. Bah, c'était bien. Hein. Je pense que c'est une bonne façon de mettre fin à un épisode. À épisode nul. Ouais, je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.